Bonjour à tous les amis, je perds la baguette. J'espère que vous allez bien, écoutez. Moi c'est nickel, que l'étude. Aujourd'hui j'en se retrouve pour découvrir un tout nouveau simulateur. Vous étiez très nombreux et nombreuses à demander ici, qui est bien sûr nommé Strongman Simulator. Alors là je suis loin d'être un Strongman hein. Là tu vois on se sert de moi pour manger des nouilles chinoises là, clairement tu vois, parce que aujourd'hui c'est bien, on va devoir tout simplement devenir énorme et sec. J'ai pas encore assez de je crois que j'ai même pas de muscles en fait hein, là y'a que de la peau tu vois, y'a même pas de muscles, c'est pas possible. Du coup donc les amis, alors attendez, je vais essayer de la flèche parce que là depuis tout à l'heure y'a le Billy qui est en mode viens là, j'ai un truc à dire. Oui bah attends, deux secondes, qu'est-ce que... Ah je suis un bébé noob. D'accord, bon bah écoute, bien ça commence bien. Oh, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois tirer. Est-ce que je... Ah, c'est trop dur. Attends, ah oui d'accord, ok j'ai compris, en fait faut tirer jusqu'à l'idée d'arriver. Voilà comme ça, pour gagner du coup de l'énergie. Ok, très très bon ça. Alors du coup ça veut dire que je... Qu'est-ce qu'après je dois faire? Je vais dépenser mon énergie à la salle, au lieu d'entraînement, à la salle de sport. Alors est-ce que je peux lever la roue de tracteur? Alors à mon avis je pense pas hein, mais attends je vais faire des squats. C'est pas un peu grand ça? What? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Non mais c'est des écouteurs ou ça se passe comment? Ah d'accord, ok, on fait les squats. C'est bon, je suis à fond, voilà, très bien. Ah ok, en fait je dépense mon énergie en fait pour après justement obtenir plus de muscles. Ok, attends, est-ce que je peux aller justement dépenser mon énergie sur ces squats là? Enfin sur cette barre là. Comme ça là. Voilà, plus de force, plus de puissance, regardez, ça y est. On voit un petit bout de muscle là, non? Non, c'est... c'est une piqûre de moustique, très bien. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Oui, d'accord. Ça y est, j'ai bouffé toute mon énergie. Non, mais ouais, sans déconner. Allez, sans rire, regardez. Je suis quand même un peu mieux, là, tu vois. Alors, les amis, bien entendu, j'ai pas mal de codes à vous donner avant, bien sûr, de commencer ce simulateur. On va bien sûr rentrer le premier code qui est, bien entendu, Strongman. Bon, celui-là était facile. C'est un petit peu le nom du jeu et on obtient, du coup... Un canard, The Rubber Deck. Oh, très bien, donc c'est un pet, c'est un mec qui nous donne plus d'énergie. Oh, pas mal ça. Ensuite, on a bien sûr le code. Alors attention, le fameux code. Donc 10M pour 10 millions, voilà, très bien. Oh, j'ai un bonus pendant 10 minutes. Oh, de puissance. Ensuite, le code 25K, voilà, comme ça. Ensuite, on a le code, attention, je vais rentrer le code 10 000. Voilà, donc ok, bah écoute, c'est parfait, bah voilà, plus d'énergie pendant 5 minutes, très bien. Ensuite on a le code, qui est bien sûr le code 5000 likes, voilà, très bien. Et ensuite on a le dernier code qui est bien sûr 1500 likes, voilà, très bien, ok, bon bah écoutez, on est bien. Là, ah oui, ça a augmenté le timer et tout là-haut. Allez maintenant, on est vraiment en surpuissance, il est grand temps de tirer les plumes. Ah bah attends, mais je peux pas en prendre plusieurs. X2, x3, x4, 5. Oh, ok, je peux en avoir 6. Oh, allez, vas-y, on pousse les plumes. On les tire. Voilà. Allez, mon canard. Yes. Et j'ai obtenu 152 d'énergie. Excellent, ça. Très bien, je vais en prendre encore. Voilà. Très bien. Allez. Ah, bah attends. Attends, il y a d'autres objets là-bas. Attends, c'est genre quoi? C'est des objets plus lourds et du coup, je vais gagner plus d'énergie. Attends, il y a des canards et des chiottes. Il y a des chiottes. Alors, attends, est-ce que. Oh, ça va. Attends, moi, j'en prends le maximum. J'ai rien dit en fait. C'est peut-être un peu lourd là, non? Est-ce que. Ah oui, d'accord, tu peux les jeter, non? Comment tu. Je voudrais. Ah voilà, c'est bon, je peux en jeter. Voilà, je voudrais en jeter. Voilà, ok, toi c'est bon. Ok, je peux en tirer deux. Yes! Ok, allez, faut que ça passe la ligne. Yes, et on a 584 d'énergie. C'est ça qui est bon. Ok, attention, on va retourner à la salle. La salle d'entraînement. Ok, attention, on est prêt pour faire des squats. On peut instantanément les faire hein. Vous avez vu, je... Bon, là, attends, je viens de faire des squats. Mais normalement, c'est plutôt les jambes et le fessier, là. C'est pas les bras, mais bon, regarde ça. Oh, les épaules. Donc là, ça veut dire qu'attendez, on va pouvoir enchaîner les canards, non? Regardez, oh, la pile de canards. Oui, c'est bon. Regardez, je peux en tirer 6. Trop facile. Il me faut plus de challenge pour moi, attends. On va essayer avec les shots. On va essayer avec un seul shot, déjà. Non. Je suis en train d'augmenter la difficulté du gars, c'est en étant dedans. Alors, oh, ça va. Tranquille, mais en vrai, les codes, c'est tellement abusé, quoi. Ok, téléporte dans la prochaine zone. Oh, alors j'imagine que... le prochain monde est là-bas. Très bien, bon, bah écoutez, alors attention, on va essayer de prendre maximum de chiottes. C'est peut-être un peu... Ouais, c'est un chouïa beaucoup, je pense. Oh, les trois, vas-y, allez, deux, essayez deux. Oui, c'est bon, deux, on peut le faire. Yes, c'est bon, ok. Donc on est à 4019
190, pardon, de puissance qu'on va aller directement dépenser. Allez hop, on va faire les squats. Allez, vas-y. Allez. Allez, on les dépense. Voilà, c'est bon. Attention. Et je vais être à 62 de force. Je suis gonflé là. Bon, alors très bien. Donc là, non, je pense que là, niveau shot, ça doit être simple, non? Oui, ma voix a changé aussi également. Ok, donc du coup, attention. Allez, les shots. Oh, trop facile. Beaucoup trop stable. Mais attends, mais du coup, ça se passe comment pour la prochaine zone? Il y a un espèce d'énorme conteneur. Oh, il est tellement grand. Attends, faut le prendre? Oh, il faut le tirer! Oh, excellent! Et c'est tout? Faut l'amener à la ligne d'arrivée? Attends, mais du coup, ça veut dire que... Ah, je suis devenu un weak noob! Écoute, on va le déposer là-bas. Ah, pardon, excusez-moi! Excusez-moi! Ok, je vais lâcher ça là, voilà. Ah, du coup, les amis, je peux accéder à la zone et c'est tellement stylé comme concept! Ok, wow! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette zone? Tellement stylé, on dirait... On dirait un peu une zone d'entraînement, tu vois. On dirait un peu un skatepark, hein, de loin. Ok, bon, du coup... Oh, ok, medicine ball. Ok, c'est bon, je vais en prendre plusieurs. Ah, ça, là, par contre, c'est du sport. Ok, attention, les boules. Les boules. Ok, allez, 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 on l'amène. Yes. Oh là 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 là. Alors, d'ailleurs, il y a aussi une zone d'entraînement là-bas. Là, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, bah, d'accord, j'ai pris le truc au milieu direct. J'ai même pas tenté avec le skateball. Ok, alors là, je peux en prendre 7, comme ça, ou pas? Ah, c'est trop lourd. Ok, on va peut-être en lâcher un peu. Allez, encore un peu. Voilà, c'est bon, 3. Oh, allez. Oh. Attends, mais il y en a 4 ou quoi? Parce qu'il y a une corde dans le sol. Allez, 2, c'est bon. Voilà. Allez, au niveau de la taille, comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait danse à la Fortnite ou quoi? Ah, mais attends, mais c'est quoi ce truc-là? C'est le distributeur. Oh, des distributeurs d'énergie. Oh, très très bon, ça. Ok, donc là, on a bien sûr la zone d'entraînement. Allez, c'est parti. Voilà, autant se spammer. Regardez, il y a le canard qui est à droite qui fait « Allez, allez, Furious, tu peux le faire !» Il est en train de me motiver, c'est mon coach sportif, quoi. Ok. Oh, matez-moi ses bras, matez-moi. Attends, c'est même pas des bras, c'est des canons, tu vois, c'est des armes, tu vois. C'est des armes de destruction massive, là. Ok, alors on va essayer, bien sûr, d'en tirer 7. Voilà. Beaucoup trop simple. Regardez ça, comment je tire ça tranquillement. Voilà, et allez, faut faire passer la ligne d'arrivée. Allez, yes. Ok, bon là, mon ami, je pense pas que je pourrais prendre les medicine balls 7 d'un coup, ça risque d'être un peu vénère. D'ailleurs, comment on fait pour obtenir des pets? Ah, mais j'ai capté, les amis, en fait, c'est ici, justement, c'est au distributeur Pet Shop. C'est 500 d'énergie. Bah écoute, je vais en acheter la masse. Ah, j'ai obtenu un checker, ça roule. Ok, vas-y, merci, attention, attention. Oui, je vais. Ok, alors, que 500 d'énergie, mais attends, mais c'est tranquille. Autant avoir justement que des rares. Ok, des communs, attention. Voilà, en fait, on obtient les objets qu'on a pu voir, tu vois, ici. Ah voilà, il faut que ce soit bleu ciel, il faut que ce soit rare. Allez, s'il te plaît. Allez, il me faudrait un rare shaker, s'il te plaît. Un rare shaker. Allez, 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 allez. Un rare, j'en ai eu un déjà, donc je peux peut-être en avoir un deux. Ah, j'ai plus trop d'énergie là, voilà. Donc là, on peut prendre. Attends, mais on peut en équiper que deux. Non, mais lui, je m'en fous, lui, il est commun, tu vois. Voilà, on va équiper celui-ci. Oh! Et du coup, tu peux vendre les autres contre l'énergie. Excellent, ça! Bon, bah, tu me dis, on en a deux. Voilà, c'est très. Tu m'as vendu mon canard, hein, tu m'as fait peur. Je veux pas, s'il vous plaît, je ne veux pas vendre mon canard. Voilà, très bien. Et tu peux aussi également les combiner. Ah, et ça fait quoi un combiné? Bah écoute, il est. Ouais, bah il est moins bien. Il est moins bien, on va le vendre. Et bah voilà, très bien. On vend tout ça et regardez le. Mais attends! Le canard, il est moins fort que le. Que le reste! Il donne que 4! Oh, mais attends, j'ai racheté des pets! Ok, alors par la médecine, je vais racheter la masse! Ah, regardez ça, les amis, du coup! Alors, si j'ai dans pets, regardez, on va combiner la medicine ball, attention, et on obtient un bonus de 40 énergie! C'est énorme! Et du coup, bah, le canard, c'est 4. Bon, bah, c'est bien pour commencer, mais bon, voilà. Ok, bon, le canard, on va le vendre, désolé. Regardez, on a 40 et 20. Oh là là! Oh, tellement stylé! Bon, bah, alors là, les medicine ball, je peux en prendre 7, hein, regarde. Attends, je peux pas en prendre plus? Ah, c'est 3 maximum! Oh! Ok! D'accord, donc en fait, il y a certains objets que tu ne peux pas prendre plus. Très bien! Moi, j'ai besoin de plus de puissance! Voilà! Ok, donc ça, on récupère très bien. On est toujours un noob, hein! Je tiens à le dire, on est noob. Voilà! Et ensuite, là. Oh, les barres! Les barres du muscu, là! Alors là! Allez, vas-y! En vrai, j'aurais peut-être pu en prendre une de plus. On peut en prendre combien, là? Ah! Je suis assez sûr, max! Allez! Oh! Allez, je vais déchirer mes muscles et ma chemise. Ah bah non, bah ma chemise, j'ai déjà déchiré. Tu me diras, je suis en Marcel. Maintenant, je suis en débardeur. Voilà, et regardez toute l'énergie. On est à 23 000. 23 000, les gens. Allez, on va essayer de tirer
des roues de tracteur, tu vois. Ok, alors attention, on va récupérer un petit peu de puissance. Alors on va se mettre là, allez, les squats. Écoute, on va prendre celle-là, je peux prendre celle-là, voilà. On plie les jambes, allez, comme ça, voilà. Allez, on y va vite, on va vite, on va plus vite, on va plus vite. Allez, allez, yes, allez, on peut le faire. Oui, comme ça. Allez, plus de puissance, voilà, très bien. C'est ça qu'on voulait, nous, on est à 156. Bon, les autres tracteurs, là, ça va être beaucoup trop simple, hein, non? Oh, quoi que... Ah oui, bah oui. Attends, je vais en prendre plus. Oh, j'en ai 6. Ah, c'est dur, mais je peux le faire. No pain. No pain. Ok, très bien. Allez, allez. Allez, allez. Ah, la vache. Et là, je vais me déchirer le calbar, là. Laisse tomber. Ah, attention, yes. 19 000. Pas mal d'énergie à revendre. Attends, c'est quoi ça? Des protéines. Et attends, mais elle est pas un peu énorme cette barre protéinée là? Ok, attention, on la récupère et on la tire. Voilà, nickel. Maintenant, je peux accéder au monde numéro 3. Oh, le monde de la bouffe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est quoi ces poulets? Les poulets qui se déplacent, tout va bien. Tout va bien. Bon, du coup, on va repasser. Ah bah attends, il y a des nouveaux pets là du coup. Un petit peu. Oh, des frites. Et aussi de la teinte et du soda. Malheureusement, j'ai pas assez d'énergie justement les amis pour acheter d'autres pets. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer les sodas. Ok, je peux avoir 5 maximum. Allez les sodas, allez, on peut le faire. Oh, les sushis et tout. Enfin les makis avec les burgers. Tellement stylé. Ok. Pourquoi il y a une chaise longue là? C'est en mode, tu sais, l'entraîneur, il est là, il est en train de le siroter. C'est oh, je vais me dépêcher de faire des trucs. Oh bah attends, mais tu peux le tirer? Attends, mais d'où? Mais d'où? Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi y a ça ici en fait? Mais c'est n'importe quoi! Mais ça n'a rien à faire là, tu sais, on est d'accord, hein? Ah oui, à un moment donné, c'est quelqu'un qui a dû le déposer. Ok, très bien. Les amis, au niveau des pets, je vous conseille vraiment d'essayer de les combiner au maximum plutôt que d'essayer d'avoir. Ah bah écoute, bah, j'ai obtenu rare, donc bah écoute moi ça va, voilà, je vais combiner le soda. Et du coup on a même maintenant, bah les amis, bah écoutez, et bah le soda en bleu, voilà, parce que étant donné que je l'ai fusionné bien entendu, hein, j'ai obtenu le méga soda rare avec 50 énergie et la frite à 100. Oh, ça va être n'importe quoi. Ok, écoutez, je vais prendre ça. Voilà, très bien, et aussi également la frite. Le reste, je peux le vendre, j'en ai plus besoin. Voilà, donc ça on vend, très bien, on va éviter de vendre le rare, hein, voilà. Ok, c'est bon, yes, à moi la puissance. Ok, donc là on a quoi? Qu'est-ce que c'est? Des frites! Oh, les frites! Je peux en prendre combien maximum? 4! Oh, oula! Ouais, c'est un peu lourd. On va en lâcher une. On va en prendre que deux, hein, non? Peut-être une seule, en fait. Hein. Oh, c'est méga... Oh! Ah, t'as pas l'impression que je suis en train de m'entraîner, là? Oh, je pense qu'à... Mais attends, mais il m'a bloqué totalement, ou... Bonjour, frites, Mati! C'est vrai qu'on dirait... Il est sur la plage, il est en train de vendre sa bouffe! Allez, une frite! Ah, oh, une frite, c'est trop. Ok, tu sais quoi? C'est pas grave. Ah! J'ai oublié ce truc là, c'est quoi? Les sushis! Alors, ça techniquement, c'est des maquis. Ah! Ah! Trop de force! C'est balançoire le truc! Ok, ah, allez, peut-être deux ça va le faire. Bon, un seul, on va tenter avec un seul. Waouh, ce méga maquis! Eh ben, sur ma commande de mérite, quand j'ai demandé le méga maquis, je m'attendais pas à ça. Le livreur, il est pas venu en scooter, il est venu en camion ben, tu sais. Ok, attention! Allez! Ah, combien d'obtenus? 8000! Ah, pas mal ça. Ok, bon, allez, on va les revendre cette énergie directement à la salle de sport pour obtenir plus de puissance. Ok, attention. Allez, on est parti. Voilà, comme ça. Allez, on fait les squats. Les squats, les squats, les squats. Les squats. Allez, 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 allez. Allez, attention, attention. Oh, presque 200. Ah oui, les amis, chose à savoir, en fait, vous pouvez prendre plusieurs objets différents. Tu vois, si t'as pas assez avec les maquis ou les sodas, bah tu peux prendre autre chose à côté, tu vois. Comme ça, regardez, j'ai masse truc à ramener. Voilà. Allez, 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 on peut le faire. Yes. Pour masse énergie. Enfin, masse thune. Tu vois, c'est un peu la même. D'ailleurs, il est super grand, lui. Regardez ça, il a pas le temps. C'est un truc de ouf. Mais il a carrément pas le temps, quoi. Ok, alors je vais peut-être aller du. Attends, je vais déposer mes sodas, voilà, comme ça. Et on va prendre directement. Allez, squat. Voilà. On a de l'énergie à revendre. Allez. Très bien. Je suis coaché par un soda et des frites. On aura tout vu dans ce monde, hein, honnêtement. Donc là, c'est bon. On a 246. Il y a peut-être moyen de prendre plusieurs maquis, là. Je peux en prendre combien des... Enfin, des sushis, comme ils appellent, eux. Oh, c'est bon. Yes. Oh, je suis pas mal. On va peut-être en looter un. Hein. Voilà, c'est bon. Comme ça. Ok. Allez. D'ailleurs, je l'ai pas vu. Mais attends, c'est quoi? C'est une cuisinière, le truc, là? Ouais, c'est ça. On dirait une cuisinière à déplacer, là. Oh, masse énergie. Très bon, ça. Oh, regardez ça, les amis. Comment je suis énorme. Et... Qu'est-ce qui vient de lui arriver à lui? Monsieur, ça va? Vous avez fait une crise cardiaque? Regardez ça, comment je suis énorme et sec! Oh, non, mais tout est musclé là chez moi, ça a bon, sauf les cheveux, tu vois, normal, hein. Ce n'est pas sa muscle, mais du coup, regardez les amis, on peut bien sûr maintenant tirer
des dindes sans problème. Et aussi également des tartes. Regardez ça. Oh la vache, matez la taille de ces tartes. De... Je vois plus rien de ces dindes. Poussez-vous. Allez, j'essaye de tirer ça au maximum. J'ai aussi des frites. Je vais prendre des sushis. Allez. Ils tirent de tous les côtés. C'est abusé. J'y arrive pas, c'est un truc de ouf. Je suis devenu un massif. Ok, donc j'ai 3 dindes, 3 tartes, 4 frites, 5 sushis et 5 sodas. Matez ça. Allez, on passe tout. Oh, oh là là, niveau énergie et thune, là, ça va être un délire. Oh, 229 000. Tellement stylé. Alors, petit, t'as besoin d'un coup de main? Même pas la taille de ma pompe. Ok, donc du coup, on est parti pour l'entraînement. Allez. Allez, 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 allez. Ok, 600, c'est bon. Oh là, les 700, c'est trop loin. C'est trop loin. Et normalement, ça doit suffire pour pouvoir aller tirer la cuisinière. La cuisinière. Voilà. Ok, là, j'ai bien grandi d'ailleurs. Là, je fais actuellement 2 mètres pour 100 kilos. 100 kilos de muscles, bien sûr. Hein, de bien sûr, hein, tu vois. Ok, attention. Et viens là. Oh. Ah bah d'accord, ok, bon bah... Ah, c'est une friteuse. Ah ah. Et j'arrive du coup... Oh, c'est une salle d'arcade. Excellent. Et on a quoi ici? On a un billard, ça roule. On a le air hockey. Ah oui, le jeu de hockey. Et un baby-foot. C'est un baby-foot? C'est un baby-foot, très bien. Ok, alors est-ce que je peux en prendre 3? Oh, ça va, ok. Honnêtement, je le passe bien. Regardez ça. Ha. Voilà. Moi, je joue pas sur le baby-foot. Je joue avec le baby-foot en mode je le tire, tu vois. Je le tire. Ok, attention. On a ici la fameuse table de hockey. Ah, là, ça commence à être un peu plus coton. Ok, allez, allez, allez. On peut le faire. D'ailleurs, c'est une méga machine d'arcade. Une borne d'arcade qui bloque la prochaine zone. Oh, 173 000 déjà, mais c'est un truc de malade. Attends, c'est pratiquement ce qu'on a obtenu avec tous les trucs assemblés. Les billards. Le billard. Je vais en enlever un. Je vais en enlever un. Là, c'est jouer au fou, là. D'ailleurs, attendez. On va lâcher des pets, histoire d'obtenir plus d'énergie quand j'irai les vendre. Allez, allez, on peut le faire. On peut le faire. Allez. Yes. Ok, 246 000. Bon, j'imagine que du coup, bah, les pets, bah, c'est les mêmes choses qu'on tire, en fait. Alors, c'est combien en énergie? Fais-moi un petit peu ça. Oh. On a le truc pour le hockey. On a la boule de 8 du billard. Et on a un Space Invader. Très bien, de la bande d'arcade. Et bah, écoutez, attention, c'est 10 000. Oh. Le rare direct. Écoute-moi, ça me va, hein. Ok, ok, donc ça je récupère, très bien. Oh, ouais, bah c'est bon. Bah voilà, c'est bon, moi ça me suffit, je veux au moins je veux 2 rares, tu vois. 240 d'énergie et 500. C'est un délire. Vous imaginez, j'avais 50. Oh, c'est un truc de ouf. Mais les gens, c'est un truc de malade. Bon bah alors là, niveau vente d'énergie, là, ça va être... ça va être un délire, les gens. Ok, les amis, regardez-moi ça, comment je suis énorme et sec. Regardez, je passe... pratiquement plus l'encadrement de la porte. C'est comme un délire, non? Alors attention, maintenant je peux prendre, regardez, le jeu de basketball. Attention, regardez-moi ça. Tellement stylé. J'ai 1500 de force bientôt. Voilà, ensuite, écoutez, les jeux d'arcade de voiture. Ensuite, le billard. Ouais, j'empile tout, c'est plus simple pour les transporter. Ensuite, le jeu de hockey. Et pour terminer, bien sûr, le baby foot. Et regardez, j'ai une petite info, une petite technique qui va personnelle que je voulais. Regardez, en fait, le mieux, c'est de faire des gauche-droite. Regardez, comme ça, en fait, vous pouvez passer. Regardez, un tout petit peu comme ça, plus rapidement, les objets, en fait, pour les vendre. Voilà, plutôt que d'aller en ligne droite. Et en plus, des fois, tu sais, ça se bloque. Ah, ça bouchonne, tu vois. Et attention, on va pouvoir maintenant déplacer la bande d'arcade. Est-ce que je peux la pousser ou pas? C'était chaud. Eh, c'était limite, hein. Franchement, j'ai cru que j'allais jamais la passer, hein. Et là, du coup, attention. Oh, c'est quoi cette zone? C'est... Il y a carrément un château et tout. Oh, c'est la ferme. Ah ah. Avec, bien sûr, les carottes. Ainsi, des tomates. Les eggplants. Ok, c'est quoi? C'est une aubergine. Ensuite, le ballon paille et le tracteur. On peut tirer un tracteur? Oui. Ouais, ce sera pour après. On va commencer avec les carottes. Hein. On va d'abord surtout commencer avec les pets. Attention, les pets. Ok, on a des tomates. Ok, très bien. Donc, oui, c'est ça en fait. Attends, ça coûte combien? 500 000! Mais non, ça coûte 500 000 un pet. Ça va, regardez les amis, c'est énorme. Depuis tout à l'heure, on s'est coincé avec un joueur et du coup, je suis en train de le tirer. Je suis en train de le tirer. Non, mais je fais ce que je veux avec lui, quoi. Les joueurs, ça se vend contre de l'énergie ou pas du tout?
Je suis vraiment en train de tirer, quoi. C'est n'importe quoi. En vrai, et c'est abusé parce que du coup, je pourrais l'aider de ses limites, hein. Sans déconner, et du coup, donc, vous allez voir, voilà, ça y est, il a enfin pu vendre son truc. Genre, avant, je le traînais par terre, tu sais, tellement, bah, il pouvait rien faire, quoi. Et du coup, donc, on va retourner au niveau des pets. Et regardez, donc, c'est tellement cher, parce qu'en même temps, ils sont tellement pétés. Regardez, c'est un truc de ouf, regardez ça. C'était le air hockey et, la balle de bowling, billard, pardon, qui était, voilà, qui était déjà bien pété, qui était à 500. Et regardez, c'était le max, hein. Et regardez, une tomate normale, c'est 7500. Ouais, ouais. Et du coup, je peux combiner pour avoir une méga carotte. Oh, 10 000. Mais c'est abusé. C'est abusé. C'est un truc de ouf. Donc là, ça veut dire que là, quand je vais les vendre, mais laisse tomber l'énergie que je vais avoir. Ok, les amis, est-ce que vous êtes prêts? Car aujourd'hui, on va soulever du monstre. Oui, je parle du tracteur. Car regardez. Ah. J'ai un petit problème avec mes bras là, trop de muscles, je peux plus passer. Ok, donc du coup on va tenter bien sûr de soulever le tracteur. Regardez, on a 2060, enfin 2700 de force. Donc le tracteur, ensuite, et bah le paille, ensuite les aubergines, les tomates. Et pour finir, les carottes. Voilà, c'est bon, ok, attention, oh le tracteur. Le tracteur l'a totalement renversé. Allez, on peut le faire. Moi je soulève la ferme à moi tout seul, 5 fruits et légumes par jour. Yes. Oh là là, donc ça veut dire qu'on peut peut-être défoncer cette porte du château, non? Viens là. Allez, allez, yes. Allez, allez, ah c'est un pont-levis. Mais, il y a peut-être moyen de passer. Oh décidément, il va vraiment falloir vraiment attends, le pousser au maximum. Enfin le tirer au maximum. Ah. Attends, faut le pousser ou quoi? Ça se passe comment? Ça se passe comment? Mais sérieusement! Il tient trop! Oh ouais, c'est bon! Je suis passé! Oh bah, bon courage pour passer, les gars! Bon, très bien! Oh! La zone médiévale! Excellent! Alors, on a quoi ici? On a. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un obélisque. Ensuite, une table avec un bouclier et une épée. On a un chevalier. Un méga chevalier. Et. Un hydre! Oh! Stylé! Et on a des nouveaux pets! Ok, alors c'est 1 million le pet. Très bien, bon bah on est reparti. Oh, j'aimerais tellement voir l'hydra, mais c'est tellement, tellement rare. Allez, attention les amis, c'est le nouveau sport national, le tirage des obélisques. Attention, attention, allez, allez, yes. Mais je suis tellement mastoc. Oui, j'ai obtenu un... C'est que tu te chatouilles. J'ai obtenu justement un obélisque rare. Alors sans combiner en plus, hein, donc la méga luck. Et là, il me faudrait un chevalier. Ah. Ah bon bah il me reste plus qu'un chevalier histoire de... Enfin un chevalier, hein, un soldat, hein, pour pouvoir justement obtenir. Eh bah écoutez, le fameux bah rare, hein. Ça serait bien, regardez, d'avoir un... bah non c'est ça, c'est un chevalier, très bien, un chevalier rare, voilà, donc il me faut... Oh. Ah, je viens de passer la ligne d'arrivée là. Attends, c'est quoi l'arnaque? Faut que je la repasse. Quoi? Non. Non mais c'est tout, il y avait tellement de puissance que voilà, le serveur il a craché, tu vois. Et regardez ça les gens, comment je suis énorme. J'étais pas revenu à la zone de base, mais mon obélisque il est plus grand que les autres joueurs, quoi. C'est un truc de ouf. Oh, je peux passer au-dessus des zones. C'est quoi ce délire? Mais non, mais c'est un truc de malade. Je peux passer au-dessus des zones. Tellement je... Ah d'accord, en fait. Après c'est peut-être normal, hein. Je peux peut-être passer à travers le mur. Qu'est-ce que... Je suis un fantôme ou quoi? Non mais sans déconner. On va ouvrir la porte là. Attention. Oh là. Oh là. Je le sens pas là. Ah 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 ah. Ok, doucement, doucement, doucement. Allez, ouvre la porte. Ouvre la... Et tard, j'ai réussi à passer au-dessus de la muraille. Je tiens à le dire, c'est totalement possible. La vérité. La vérité que c'est... attends, je voulais peut-être la redétacher en fait. Hein. Faut la re-accrocher. Voilà, comme ça. Yes. Allez. Ah bah super, bah c'est bon. Maintenant, je peux passer. Voilà, très bien. Et du coup, on va racheter, bien sûr, le fameux... Ah bah super, un obélisque. Bah génial. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis retrouvé... What? Je me suis retrouvé dans le sol. Mais c'était quoi ce bug? Allez, je passe. Yeah. Non, non, c'est bon, lâche la cordelette. Là. Ah, ah. Attends, attends, attends. Yeah, yeah. Oh. Je suis pas du tout censé être là, en fait. Je... Non, alors je pense qu'il y a peut-être moyen de glitcher de... Ouais, mais de toute façon, après, ça sert à rien. Parce que même si tu passes la muraille, après, derrière... ça sert à rien du tout, les amis, parce que t'auras pas la force. Oula, mon perso il est encore... Mais qu'est-ce qui se passe là? J'allais dire, t'as pas la force du coup de... Après de pouvoir tirer les autres objets, tu vois. Donc du coup ça sert à rien de glitch, hein. Ça sert à rien du tout. Ok, attention. Allez, le chevalier.
S'il te plaît. Oui, c'est bon. Yes. On va pouvoir combiner. Là, regardez. 50 000. Sachant que ma tomate, c'était 15 000 et ma carotte, 10 000. Hein. Normal, tout va bien. Hein. Tout va bien. Eh bien, on va l'équiper, attention. Splum. Et on vend, bien sûr, tout le reste. Alors là, les amis, niveau XP, enfin énergie, ça va être un délire. Et les amis, regardez, j'ai assez de puissance pour ouvrir et dégager ce mur. Oh, voilà. Le mur est tombé. Non, justement, donc je vous ai pas montré, mais regardez, il y avait bien sûr l'hydre. Voilà, regardez, elle est belle. On dirait Spiro quand même au niveau. Comment elle roule au niveau de sa couleur. On a ensuite, bien sûr, le Pikeman. Et non pas le Pac-Man, hein, bien sûr. Donc, yeah. Voilà, ça peut le tirer comme ça. Ensuite, le fameux chevalier, la table et l'obélisque. Et viens là. Viens là. Très bien. Et regardez. Oh, ça monte steampunk. Tellement stylé. On a quoi ici? On a le petit robot. Très bien. Ensuite, le méga robot. Oh, l'espèce d'araignée mécanique. Ah non, c'est une fleur. Il y a une fleur dedans. Très bien. Ensuite, on a le... Oh, l'araignée. L'araignée mécanique. Et je peux déjà la tirer pratiquement. Et là, c'est quoi? C'est la fin du jeu. Next World. On a la fin. Il n'y a plus d'autre monde. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ok, très bien. Et les pets ici, c'est quoi? Ok, c'est les trucs ici. Et bah écoutez, et bah les gens, voilà, c'est ici que conclut bien sûr la fin de ce nouveau simulateur de My Strongman Simulator. Alors normalement, je suis premier serveur, mais il y a un bug. Regardez en haut à droite, là, je suis à 5760. C'est énorme. Alors que le premier, il est à 205. Ouais, il y a un petit souci de classement. Là, ça sent le... Hein, la corruption. Mais sérieusement, les amis, j'espère en tout cas que ce simulateur vous a extrêmement plu. Je vous invite bien sûr à lâcher un maximum de likes pour la fin parce qu'on l'a terminé, surtout pour tous les codes que je vous ai donnés. N'oubliez pas aussi, alors bien sûr, de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et la chaîne. Je vous remercie vraiment. C'était Flo Jumper, l'ancienne baguette. Et je vous dis du coup à très bientôt. Ciao, les amis. Je m'avais pas sauté. Très bien.